Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Kubalandi magazine nabino ya Congo Blues Television mbote pe boyebola mona manaka nabino mikona mikolo ba ndeko bozana na Kinshasa to pe libanda mboka Congo ba compatriotes congolais nyonso mbote na bino toza bozana sika mala mpeto yiki ke tole ksa bangonga kitoko elongo na bino na tongo ya lelo société civile ya sud ki vous bazo ko exiger retrait immédiat ya RDC na EAC na Franco pe fermeture ya ba frontière ya RDC na Rwanda pe Uganda les sousou ba sengi rupture ya ba relation diplomatique na ba mboka nyonso impliqué na génocide au congolais entre autres France, États-Unis, Rwanda pe ba mboka mo sousou nyonso ezali cité na kati ya mayama be ezali kokome na mboka na biso bazali na raison to tete romeka ko développer au cours de cette émission. Décès de deux éléments sud-africains contingent ya SADC, gouvernement congolais a ébiko condamné énième bombardement ya ba armée rwandaise pe ba M23 na mabele na biso et na ngambo na ye Augustin Kabuya informateur azwaki bongo bokutani moko lobi moleki na bapandisa mpo na ko expliquer monsala wa ko sala alobi azana délai ya un mois renouvelable bisika a kokutana na bayi ba couche politique nyonso classe politique nyonso pona koyeba ko identifier kuna na parlement ezali bongo majorité parlementaire en vue ya formation ya gouvernement o ekomema biso bongo na ba action pona ezali bongo deuxième mandat ya tata Mokambi Ekolo to signaler que mokolo na lelo nde ba consultation yango e bandi mosala na ye penza ezali ko identifier majorité parlementaire en faveur ya tata Mokambi ya Ekolo et du côté de l'Est de la démocratie du Congo, on nous signale que depuis la ligne de front, bah, combat, ezali koko, bah, na tongo ya lelo, et il faut dire que la cité de Sake reste sous contrôle de l'armée congolaise, et malgré, plusieurs tentatives, il y a, bah, M23 depuis, aujourd'hui, bientôt une semaine. Mituna, na o etali levé un moratoire sur peine de mort, na likambetali traîtrise topé, trahison kuna na armée, est-ce que vous allez pour ou contre? Et la question sur la diplomatie, relation bilatérale entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce qui nous unit, qui nous sico, est-ce que tout ça kaka na ba relation diplomatique tant que ambassadeur rwandais a bengana maki a na mboka na biso bazongi sekie na mboka na bango biso pe tout ça l'ambassadeur kuna na Rwanda te, mais qu'est-ce qui nous unit, qui nous mokona lelo, c'est la question qui se pose et nous allons essayer de développer. Mais la question Yamaka Simonsu Suezali sur réduction et train de vie des institutions, alors que Tosoko Tanamonda Monsusu, alors que le gouvernement Sikeko Banda Solo, Toebi, qui est déjà Bazwaki Bongo Mokan, Nao Itali, loi de finances, il y a 2024. Mais est-ce que débat n'est signé des dons à la mesa sur réduction et train de vie des institutions, tant que Nbungundungo et Zoyo Kanaka, que ba député Bakozwa au-delà, il y a Oyo et Bande Kolobama Lobby, est-ce que il faut en parler, est-ce qu'il faut débattre sur ces sujets sans émotion, sans état d'âme et penser aussi
à nos compatriotes congolais. Nous allons en parler au cours de cette émission à Bande Kobazana Bisho sur ces plateaux. Tolobe la Congo, Tosabonga Mboka, Joseph Mbenza, Aza, Moko Yalisanga, Udopes, Ndeko Mbenza, qui déjà au rejoindre à Bisho, Ndeko Mbote, Pebwebola. Ndeko Mbote, Maman Naomi, merci pour l'invitation. C'est un honneur de venir partager le plateau. Oyo Batunion Sobazo, c'est l'émission na diaspora et puis na Kinshasa. Merci pour l'invitation. Nanga gana informé bana nyonso ya Kinshasa que activité parlementaire et honorable Socrates Mubenga ezosala mamalamu. Il a assisté à toutes les activités où il a lié na assemblée provinciale. La dernière en date, tozala kinaye par rapport ya on a écouté en place chronogramme où il y a la misala où il y a cooptation à bas députés provinciaux au Bakouta, na bas chef coutumier où il y a l'élection à bureau définitif où il y a la validation de pouvoir et de mandat. Nous avons là qui débat avec Makasi, mais son intervention magistrale avait fait que bas sur soi séance ouana pour battre la toilettage et à chronogramme ouana. Bravo pour votre intervention, honorable Socrates Mubengai. Il a encore dit à tous les enfants de l'IDPS, parce que l'Obito fait qui anniversaire, Nabiso, le 15 février 1982. Il a souhaité bon anniversaire à tous ses camarades de l'IDPS. Surtout, il garde une pensée pieuse aux 13 parlementaires, en l'occurrence Étienne Tshisekedi du Amoulumba, notre mentor. Et puis, il salue aussi le début de travaux de l'informateur qui est l'honorable Socrates Mubengai, notre CG du parti. Et puis, Bananyoso Asem, Bazoko, qu'on souhaitait toutes les bonnes chances pour la réussite. À l'occurrence, le directeur du cabinet, Jackson Kabamba, ainsi que Madame Peggy et les autres. Donc, voilà un peu ce qu'a été mon mot de salutation. Je remarque que Ndeko Joseph a une banga ebele na émission politique. Nous avons un mot d'amboka Achille Kapanga, maître Achille Kapanga Zali, ancien maire ya ville ya Goma, ya Beni plutôt, et Azali Moko ba personnalité politique. Amboka na biso maître Achille, pouvait déjà nous rejoindre sur ces plateaux. Mon amboka Toso la Maï Matali, Mboka Congo, mais parti Est précisément, puisque vous êtes aussi notable de site. De Nord Kivu, mon ambo kambo, te pebwe wola. Merci pour la bambangay. La zo peswa me revè naba. Balandi nyo sur la télévision na biso, à vous-même. Merci. La personne ya biz nyo sur. Tous alia ou tous zongi. Na kanisi, le peu d'état to kouzala. Awa, to kwe changer à la limite de nos connaissances et de nos compétences. Yango, na sepeli na mouni nangay, à zana plateau. Tous wata ya kousola mouke. Merci beaucoup, Nathanaël Omukumba, Zanabio sur ces plateaux, des pistes pour l'émergence. Parti cher, il y a mon amboka 7 Kikuni, mon amboka, vous pouvez déjà nous rejoindre sur ces plateaux. Photo sur la Maï Matali Mboka Congo, Elongo Nabino, Tozanabiso sur ce plateau, Ndekombo, Tepe Boyebola. Mbote Mingi Maman Naomi, Napesi Mbote Naba, Kodibater Nangaï, Nyonso, Napesi Mbote Naba Kongomani Nyonso, Bazana Kinshasa, de part et d'autre. Bongo, on a assuré tes débats avec la Bongo républicain, tourné autour de valeurs patriotiques et emblématiques de notre pays. Je pense que les Congolais attendent de nous au moins ça. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ndeko, Maître Achille, Toro Bandana, yo, Société civile, il y a RDC, il y a Sid Kivu plutôt, bah, exiger rupture, il y a bah, relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il existe encore des relations diplomatiques entre les deux États, tant que l'ambassadeur rwandais Azalaki Babengana qui est Namboka Nabiso, Bisopek, dans l'ambassadeur Kunate, quasi deux ambassades ils ont fonctionné, notamment récemment, tout le monde qui joue à Nabiso Kozong, à Kimena qui est l'ambassade. Est-ce que la diplomatie ou bien la relation bilatérale entre les deux États, ils ont fonctionné, ils sont ceux qui sont là, est-ce qu'il faut qu'on kate en gros, n'y a pas de bazosing? Bon, au fait, dès que la diplomatie hypocrisie Zalaka, il faut d'abord qu'on ait une vraie cause. Pour s'attaquer à la conséquence, tout ce qui est cause, tout ce qui est le cas. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
est-ce que les relations diplomatiques ont une cause? Parce que si tu as un cas, tu as un cas, tu as un cas, tu as un cas. Si tu as une cause, ça va te traiter en cas de solution. Mais tu as un cas, tu as un cas. Tu as un cas, tu as un cas. Tu as un cas, tu as un cas, tu as un cas. Mbisi zana kati ya mai. Sikoyo, bazwa na bandobo kupa bimisa, mbisi na kati ya mai. Bazwi Rwanda, neti ndobo. Siko bo bazwa simba nzete, bo bazwa simba singa, na biloko mususu bazali. Ndobo wango, ba multiplia. Pesima ndobo mususu wa muke, epaya bantoko na biso ya Uganda. Yango sikoyo komona, mbisi na biso, basiba kangana juar moko. Tawa zolo babunagana, na lobiru churu, eza yote makangi deja na juar moko. Siko bazoli ya baka kande mutua mbisi, popalo babu msa mbisi na kati ya mai. Yango siku foto mituna. Batuwa bazoli ya babenda mbisi na kati ya mai. Eske bakongolipi bazana kati, nani balingi babenda mbisi na kati ya mai. Eske, batuwa bazoli ya babongola mbisi na kati ya mai, bazoli deja bandobu. Rwanda zui ndobo moko. Tamusu Uganda pe zui ndobo moko. Sikoyo. Na mga zo simba nzete. Po abenda. Na mwone ba eta mingi. Afrike na ya Libanda. Bawa zo simba nzete. Po balongola. Mekatra mga pe wazo kanate. Yango mwini tine lo. Bakwa loko simba. Mutu ambisi wanate. Yango na mboloboko. Nora lobaka. Ke. Ma question ya panabiso kuna eza. Na trois dimensions, madame. Dimension liboso ezali national. Biso na kati ya Congo. Tosa la nini? Est-ce que tosa ba complicité na likamboyo ya kubimisa mbisi na kati ya mai? Est-ce que parimba congolais et tosa ba très traité? Yango na sepret na malubi ke no moratoire po na peine de mort balongolango. Puisque so ki biso moko ba congolais, tozo linga mbisi na kati ya mai. C'est que mbulu ezali. Par rapport à la question sur la frontière, la culture diplomatique, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez dit, madame, il y a sur le plan régional et sous-régional. Il y a des États, il y a des membres, il y a des CPG, il y a des États, il y a des États, il y a des États, il y a des États. Est-ce que vous avez dit, ou bien vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez. Il y a mis ça sur la communauté internationale. Monisco, Biloko Nyos, Toyoka Kaini, Européenne, tout ça, tout ça. Est-ce que vraiment M23 Oyo, et ça n'a pas cassé que les Union Européenne, que les Monisco, que les Baéas, Batioswana, est-ce que l'équipe n'a pas cassé? Voilà, dès notre Koloba, que Ozo Lobawana, ils ont des conséquences, ils ont causé. Attends, tu rompes ma relation avec l'eau. N'abissio clairement pour. Ce qui est comme on a Goma, na Gisenye, c'est un voisin. D'ailleurs, c'est la frontière la plus fréquentée du monde. La fréquence de la Kawana. Na mokili mobimba yango ndeza na la fréquence donc oyo fréquence ya fréquence c'est belé yango wana. Alors ce qui tokangi frontière pona ngai ce n'est pas encore la solution puisque ça pour une conséquence ça pour une cause. Tout ça ta kende na ba cause nano na ba conséquence puisque attends tokangi frontière lelo. Est-ce que Ekosil Sabitumba, peuple à Rwanda, n'a pas besoin de prendre la. Donc, au moins, le problème est que la population mingite. Ce sont des questions politiques. Tant que la population n'a pas été à Bitumba, à Bakunzite, non. Quelqu'un peut aller au Rwanda, à son bloc, à Zongi, à Congo, à Abimi Rwanda, à Oe, à Congo, à son bloc, à Zongi. La population n'a rien à faire. Bango a besoin de la ville à Bangwe Bonga. Parce que, biso ma politicien, biso ma tozo simba mboka, tozo sala nini. Yango la bisso, est-ce que Katina biso ma tozo linga, mbisi bima. Pour vous, couper la relation ou rupture de relation diplomatique est ma solution. Déjà, pour donner un exemple simple, quand Lumumba a des problèmes, si notre ambassade n'était pas là, il y a soit qui est venu. Mais il y a une cause, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Il y a une ambassade qui est venu. Est-ce que vous tombez ici là? Il y a une cause. 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 Bazoar déjà biso na joueur moko. Ce que bazoar luka mutu. Au moins mbisi, ce qui tombe kangi na joueur. Mbisi za ngoka ndia ngo tozo ni kala makati. Alors, yango na sala sikira ba congolais. Biso nde ba colombis, biso nde ba mbisi.
ton dimanche balo sur le katiamai. Il faut que bon moko to sungé FRDC na biso to za makasi po to longo na katiamai té. Très bien. Merci beaucoup mwana mboka ndeko Nathanael malobo mboka wayo. Il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les états. Que gagnerait la RDC ou qu'est-ce que nous allons perdre ceux qui ont tiki le lot au sali rupture des relations diplomatiques na Rwanda, na Uganda, tout le monde beaucoup aussi allé quoi agresser biso. Nini RDC pour perdre, tout nini RDC pour gagner, pour kabonango. Est-ce que ça réaction moko sous les émotions tendance de quoi la autre couleur parce que selon yé ils a problème t et apporter peu solution t. Malbon beaucoup. Bon, merci beaucoup maman Naomi Pila pour la question posée ngai. En tout cas, le Congo a un problème sérieux des dirigeants d'abord et les dirigeants ba yebi ndenge mboka fonctionne, ba yebi ndenge population a réagi ça, ba yebi que population congolaise dans la population moko a réagi ça na buzz. Alors ndenga ko mema il faut pas que la rae mafuta ya tabana munoko, atalier na intabate, ça fera rien. C'est répondre à cette question, c'est d'abord manquer du respect à tous nos frères qui sont morts de part et d'autre. Parce que tant qu'on devient ministre, on devient président de la République, on devient député, c'est pour servir le peuple. Mais fort malheureusement, les gens sont en train de traiter Kagame de tout. Kagame, c'est l'ennemi de notre pays. Mais vous voyez comment Kagame se poumonne pour son pays. Vous voyez? Azo tchabiso mal à l'aise pour gagner le territoire na biso pour na peuple naï. Voyez l'attitude. Regardez maintenant contrepartie biso koto. Qu'est-ce que nous on est en train de faire? Est-ce que corrompre relation diplomatique, c'est ça la solution? Non, la solution c'est avoir les gens qui peuvent protéger l'intégrité territoriale. Et l'intégrité territoriale est protégée par le ministère de la Défense. Et les gens qui sont au ministère de la Défense, ça s'appelle les militaires. Et c'est les militaires qui protègent. Et les militaires protègent s'ils ont un train de vie au moins équilibré. Voilà des questions, fallait tomitouna. Les autorités réagissent par effervescence. Les autorités réagissent par impulsion, des réactions épidermiques. Et aujourd'hui, interrompre les relations diplomatiques. Mais non, pour interrompre les relations diplomatiques. L'ambassade du Rwanda ici, il paraît que ça fonctionne toujours. Là-bas aussi, notre ambassade fonctionne toujours. On trompe, bah, tromper le peuple congolais, tout bah, tromper banal. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi les Rwandais ne nous respectent pas? Pourquoi les Rwandais ne nous respectent pas? À l'époque, dans Zaïre, Kagame, a quand même pas que ça, c'est ça la question. C'est-à-dire, moi, je pense que beaucoup d'Anabis ont un problème de dirigeants. Et aujourd'hui, la guerre au Est, de Kotisekedi, a un avantage marqué de Kabila. Parce que, à l'époque, Kabila, aucun membre de l'IDPS ne pouvait soutenir Kabila dans cette guerre-là. Pendant que Kabila cherchait des moyens pour éradiquer M23, l'IDPS faisait des marches contre Kabila, il incriminait Kabila, pendant le bagnonce. Mais aujourd'hui, nous, piste pour l'émergence, on tient de communiquer de soutien, on les soutient, tout organiser marche, Mokote, tout Sangani, Mbalamoko pour nous soutenir, la monsieur Kendeli Bosso. C'est l'avantage qu'ils ont. Mais parce qu'ils ne se soucient pas de ces pays, tu vas se poser comme question, oh, tu es qu'on se débattre, parce qu'il n'y aura rien. Le problème, c'est que les dirigeants ne se soucient pas de ces pays. Rien, comment ça, avec tout ce qu'il y a comme un fort, et ça, les machos. Aucun effort. Comme on est le ministre de la Défense de Hazard sur terrain, ça qui n'est pas tombé, Goma n'est pas tombé, ben, fort, ils arrivent comme ça, les machos. Comment ça, rien n'est fait. Maman Naomi, ça qui n'est pas tombé, Goma n'est pas tombé, mais Bounaga n'a équipé pendant 2 ans. Donc pour nous, les Congo, c'est ça qui. Pour nous, le Congo, c'est Goma. Donc, on va se préoccuper de ceux qui gomandent des Koyaki, ceux qui saquent des Koyaki et nos frères de Bounagana. Ce n'est pas un comportement responsable. Quand je dis les gens ne se soucient pas, remarquez bien, pour ni même communauté internationale, la France, les États-Unis, on a besoin de sérieux. Parce que, et tout cela, ils ont des comptes là-bas. Les Français, les Américains, on a un compte bancaire, on a un compte approvisionné. Dixi, Messi, Kabound. Pendant que nous sommes en guerre, il y a encore des ministres qui mettent des montres à 20 000 à 800 000 dollars. Vous voulez qu'on soit sérieux dans le plan NIN? Nous sommes sérieux sur quel plan? Sur quel plan? Ici, les présidents, moi, nous, puisque pour l'émergence, tu dois soutenir le président, la ministre pour Rwanda a respecté, il faut déclarer guerre.
peut-être ici à déclarer guerre. Pourquoi vous déclarez à côté? Est-ce que nous sommes les mêmes pensées pour nous déclarer guerre? Tant que le Parlement est au côté de la Sicoyo, tout le monde est Sénat, l'élection, nous sommes. Est-ce que nous sommes les mêmes pour nous déclarer guerre? Déjà, la question est le Sénat, le Congrès, le problème. Pour nous rappeler, l'article 85, il y a la Constitution et le lobby. Pour nous dire que ceux qui ont été en train de se et que l'institution a fonctionné mal à le président a déclaré état d'urgence après autorisation en congrès. Dans 86, l'article 86, le lobby, président a déclaré guerre ceux qui ont eu autorisation en congrès. Il y a un congrès de Zozé. Mais l'on va comprendre que en 2021, président de la République, il y a été Jani Mabunda dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il n'y a pas jamais se réunir en congrès pour ne pas payer ça, a déclaré état d'urgence. Nini Asalaki a déclaré état d'urgence sanitaire sans que tout n'a pas sans que autorisation en congrès. Pour ce que tu article 109, il y a Mibé Koli Kundi Nabi sur le billet, congrès, basanganaka pona, pour réviser la constitution, pona, pour autoriser état d'urgence, état de siège, tout état de guerre. Tant qu'il y a déclaré état d'urgence, à l'obité, n'a violé la constitution, tu as accueilli la cour constitutionnelle. Tant qu'il y a la cour constitutionnelle, a interprété article 85-86, a interprété en haut, va rendre arrêt RC 1200. Au bateau il dépasse n'importe quoi dans la canango arrêt RC 1200 et puis si une ligne ça a été à coquille qu'on déclarait état d'urgence sans qu'aux autorisations et à congrès au bango baie ba qui était tant qu'on va passer bango raison en a et à disposition moi comme même procédure pour un état de siège état de guerre bah créer qui monstre juridique au bango baie ba qui était les lois pour rattraper bango donc président soit l'inga déclaré guerre à la pour ça congrès à cause de fier qu'on a arrêté arrêt à cour constitutionnelle ou interprété qui disposition en a déclaré guerre concrètement au Koya et Koya a quoi avaliser ou constater. Donc, Bali Bosonga na ébissier, Nathalie, président Namisu, n'a essayé de violer ni constitution ni l'autre côté, ce qu'on déclaré guerre. Mais pas qu'on déclaré guerre, t'es pour Nanin. Moutouna fallait qu'on mette tout. Pourquoi n'y pas qu'on déclaré guerre, t'es pour déclarer guerre, il faut au Wanga, au Ezali, à Bioki, na Oya Bomoto. Sentiment na Oya Bomoto, faut au Wanga na Yango. Il faut vivre avec compter les sous-soutés. Pour être guerre et s'engager à misole et belé. Guerre et s'engager à mbongo et belé. Guerre et s'engager à dépenser belé. Mais si on est tous à l'élo, moutouman côté azo renoncé à la vie. Moi, Ibrahim Traoré, na Burkina Faso, alors il va foutre à Kaël les sous-soutés. Il va foutre à Kaël les sous-soutés président. Mais où est-ce que l'élo, il y a un salaire na été. Et l'eau Kaliboso. Il y a un balé, bango, ma construction na bango, ma compte na bango, Isaac Alibanda. Ils ont raté. Il y a mis ça tourner tout le monde. Est-ce que militaire, parce que Baloba qui tourne le bilan, est-ce que Bazo sal la pena maïle ou est-ce que pour battre un militaire à l'aise? La question c'est que comme tout n'est pas Bazo quoi ça peuple nini. Budget, il y a armée matake, loi de programmation militaire à l'aise nini mon sous-soleil. Quand Bazo la loi de programmation militaire, maman Naomi, pourquoi on a que Bato Balinimbo côté? Moutouaza ministre, Aza député national, Aza député provincial, exemple à Patrick Mouyaya. Mais ma côté ici requête na cour constitutionnel ba ça la kimil. Est-ce que toi ba côté ici ko ba ça la kimil? Ba ba ki na kimil autre ozoara salaire ya fonction moko. T. Loi programmation militaire. Et ko ça la nini ce qui un likili. Abandi ko simba au moins $1000 kaka les mois. Et ko ça la nini. Tant un député se tape aujourd'hui, je crois à 21000 pour na ko ki na ba supposition tout ba ba 33000. Donc les lo ba konti amboka na biso sengel ba ça la sérieux pour une fois ba linga mboka oyo. Très bien. Merci beaucoup, moi, Lambo Kandeko, Joseph Mbenza Ozali, Moïse de Pes, Moïse Pouvoir. Est-ce qu'il existe encore de relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda? Tant que Ebike, Nyon Soto, Zalaki, Namo, le Kolabakor, et Zalaki suspendu, Tozwaki, ambassadeur, Tozongise, Lambo Kanabango. Mais est-ce que nous continuons à garder quand même de bonnes relations alors que nous crions dans tous les toits que le Rwanda nous agresse? Merci maman pour la question, madame la journaliste. C'est une question importante. Bien que mon frère de l'opposition n'a même pas répondu, il est allé dans la digression. Azuba Makambe Bele Bele, c'est difficile de cerner ce qu'il veut dire. Azuba Blouge Bele Bele, c'est-à-dire il n'est pas resté dans la thématique. Je salue mon frère, l'ancien maire. Il a dit l'essentiel. Bravo pour l'analyse Naye. Madame. Rupture diplomatique, là nous sommes dans la notion des organisations internationales. Dans la notion d'organisation internationale, nous avons, je prends deux pôles. Nous avons ce qu'on appelle le multilatéral, nous avons ce qu'on appelle le bilatéral.
Militilatéral, ils allaient au ONU, Union européenne, Union africaine, SADC et assez j'en passe. Bilatéral, ils ont des relations, ils ont réunir deux nations. En l'occurrence, nous parlons du Rwanda, s'il vous plaît. Je rejoins mon frère. La frontière entre la RDC et le Rwanda, c'est la deuxième après le Mexique et les États-Unis. C'est à peu près 40 à 50 000 personnes qui traversent. Peut-être que c'est le Bakatoana à Kinshasa. C'est une réalité à Gomaté vers Gisenyi. Alors nous parlons de cette histoire avec trop de légèreté. Là, tout le monde a bien dit à l'Est, mon frère, est-ce que vous maîtrisez la situation qui se passe ici entre Bissona et Rwanda, Bwende, tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une décision, extrême, il y a la frontière. Mais est-ce qu'il faut nous poser la question? Revenons à l'histoire. Avant 1994, mon frère qui est de l'Est, les peuples ne vivaient pas paisiblement là-bas. Ils n'avaient aucun de problème. Donc, c'est-à-dire, il faut tout situer Makambu Oyo. Le problème, c'est entre le régime Kagame et le Congo. Mais il y a certaines populations rwandaises, on a besoin de Kimia, va commercer, ça va trafic, derrière tout balanaka entre nous, les Congolais vont travailler là-bas, les Rwandais vont viennent ici et vice versa. Gisen les a vraiment nenga lobby, les a vraiment porte les a mapemé, il va katsara na makolo. Faudra-t-il faire souffrir ces populations innocentes à cause des actions de Kagame? Là, il faut se poser des questions. Madame, voilà maintenant le problème. On a suspendu tous les accords nous liant avec le Rwanda, s'il vous plaît. Le Conseil supérieur de la défense avait siégé pour suspendre tous les accords. Moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut fermer les frontières terrestres, mais moi, je suis de ceux-là qui font beaucoup plus former nos frontières aériennes avec le Rwanda. Là, je peux dire que non, je peux donner mon avis pour asphyxier encore davantage le Rwanda. Et c'est ce qui est sur la table parce que dans les jours qui viennent, va suspendre, l'État congolais va suspendre tous les survols aériens de la RDC des avions civils rwandais. Il y a des mesures qui sont sur la table et c'est pour asphyxier l'économie du Rwanda. Vous comprenez? En dehors de la population, Tokéi, madame la journaliste, il faut revenir dans l'histoire de la situation de l'Est pour avoir le vrai diagnostic. Le Rwanda et son armée avec Kagame Bakukako ont terrassé la RDC. Mais s'ils parviennent à nous inquiéter, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit M. le Vepin Peter Kazadi. Parce que les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, ont été avec nous pendant 25 ans. Toujours des efforts diplomatiques pour trouver des solutions. Normalement, je comprends la posture de M. Peter Kassadi. Il ne peut pas envoyer la population faire des dégâts dans l'ambassade. Mais dis-moi, il ne faut pas empêcher la population de manifester son mécontentement. C'est ce qui fait fléchir ces gens-là. Manifester, oui, mais Kotumba... Je ne dis pas, casser. Bitoukeïta parle de... Bitoukeïta, on s'en manque, on s'en fout, madame. Si on brûle deux véhicules des Nations Unies et des millions de morts de Congolais. Madame Bitoukeïta, c'est quoi cette dame-là? Même l'ambassadrice des États-Unis. C'est quoi cette histoire-là? Ils sont dans des déclarations matin, midi, soir, 25 ans. Vous pensez que faire partie de la MONUSCO, comme l'Union européenne, va nous donner la solution? Moi, je ne dis pas le chasser, mais il faut mettre la pression sur ce genre-là. La MONUSCO doit quitter, mais les ambassades, c'est autre chose. Parce qu'il y a un accord de siège qui nous lie avec la MONUSCO. Mais ce que Simbite Bakei, entre la MONUSCO et les ambassades, ce sont tous, ils ont tous des statuts internationaux particuliers, mais Moutounamtazan a spécificité. Vous comprenez, madame? Moi, je suis de ceux-là. Je suis d'accord avec mon frère. La question de l'Est, ce n'est pas une question de l'opposition avec légèreté, aux autres qui sont à gauche, à droite, Félix. Non, le président est en train de faire exactement. J'ai dit à mon frère de l'opposition, mon frère qui est de l'Est, il ne me contredira pas. Quand Sultan Makenga se décide d'attaquer Bounagana, ça fait combien? 4 jours, Gom était tombé les environs. S'il vous plaît, Neko. Je dis 4 jours. Mais aujourd'hui,
Ils ont attaqué, la première attaque, c'est en mai 2022. Parce que leur objectif, c'est Goma. Pour pousser le gouvernement à fléchir. Si rien n'est fait, pourquoi Goma n'est pas tombé? Parce que notre armée, avec nos compatriotes ouazaliens, sont sur le 10, mon frère, ici. On a arrêté le numéro 1 de la NER, dans Nord Kivu, s'il vous plaît, en connivence avec l'ennemi. Nous sommes quel genre de peuple? C'est-à-dire, donc le mal est d'abord chez nous-mêmes. Le numéro 1, il y a Nord Kivu, s'il vous plaît. Qui dirige les opérations, les renseignements civils, arrêtés en complicité avec l'ennemi? Le porte-parole civil du fameux gouverneur Chirimwami, arrêté en complicité avec l'ennemi. Donc, si nous parvenons, le vrai problème, c'est nous-mêmes d'abord Congolais. Il faut commencer d'abord par nous-mêmes. Il y a un moment où saluer le levé à moratoire sur la peine capitale. Donc voilà un peu, c'est-à-dire, prendre cela à la légèreté, comme salaire, tout ça, ce n'est pas ça. Le train de vie des institutions, on peut en discuter. Moi, je ne suis pas pour ceux qui touchent 21 000 dollars, mais la situation sécuritaire, Yamboka. Il faut toujours jouer avec beaucoup de sérieux. Très bien, merci beaucoup. Deux messages, Nabino Bozola Dabisso. À travers le pays, il faut impérativement fermer nos frontières pour manifester notre mécontentement envers le pays agresseur. Très important, partout ça se passe comme ça. Quand la diplomatie entre des nations ou plus ne marche plus, il faut la première des choses, chacun doit fermer ses frontières pour interpeller l'ennemi. N'est-ce pas par cette frontière, et c'est par cette frontière que nos minéraux volés passent. Fermer une frontière est parmi les signaux forts que nous voulons plus, nous voulons en finir avec la guerre. Merci beaucoup. Ndeko Komel Biso depuis Wapi, Alobite, Alobi Ndeko, il y a opposition, Bozale Longona, Tata Mukambie Kolo, parce que Tozali Nakati, il y a Etumba, président qui a déclaré guerre, et Brozanga Makamba Koloba. Merci beaucoup. Ndeko depuis loin d'Alobi, Tolobelape Makamba Dollar, Oezali Kotungisa. Bongo Mboka Nabisho, merci beaucoup. Moi, je suis en de coacher le taux sur la question du lever du moratoire sur la peine de mort ou capitale. Que pensez-vous de la proposition du Conseil supérieur et la défense sur le lever un moratoire sur la peine de mort dans les militaires ou dans les bango dans les campagnes de trahison contre Mboka Nabisho, parce que Tozana est tombé. Mais Mboka a une faiblesse Nabisho depuis des années, et ça dit que Tozana a un bateau, ba très très quatre Nabisho. Est-ce qu'il faut lever un moratoire dans les cas justice, là, nous avons un problème. Tata Mokamba Ekola, Mboka Aloba Kiyango, est-ce que comment règlement des comptes était finalement, est-ce qu'il faut obtenir un débat wana topé en tout cas, merci beaucoup. Avant de répondre, je vais vous apprécier le Pandangai. Article 109, il faut concerner. Il faut article 143. Il faut bien noter la constitution. 119. Ah, donc il faut que le 109. Il faut 143 déjà, beaucoup plus spécifique dans 119. Merci beaucoup. Ok. Moratoire, va suspendre. Tomi tout naziko moratoire yango ko tapela Congo ndenge nini pe pona nini to lo moratoire ba leve yango e ko tana ko mboka na biso ndeni omoni biso to sala ka mingi ko pie kole mundele ay na projet na ay na Congo apesi mwa mbongo muke esika to komi yango biso to amboate yango sake to yeba conséquence na yango na mboka na biso ezanini est biso za vraiment adapté. Je ne sais pas si adapté pour récupérer la situation, mais qu'on pour vivre la situation. Heureusement, dans la date qui veut permettre la défense, il est très précis. Après ça, il y a un peu de trahison. Alors, c'est connu, le code pénal militaire congolais clair par rapport à ça. La trahison, en tout cas, c'est toujours la peine de mort. C'est ça. Il y a une sanction qui est vendée en côté, il y a un bongo. Ce qu'on était déjà, le gouvernement s'est prendre acte à l'Ikambouana. Alors, on a dit que l'ONG a mis la défense des droits de l'homme, mais déjà qu'on tambola, il faut pas sanctionner le Congo pour élever le moratoire, puisque le Congo Mingi, quand il y a un bon, il y a un bon, il faut vivre le biso. Et c'est ça souvent notre faiblesse. Total, quand Mingi, il y a un bon, que le Congo est aussi dans le Kambouana, surtout dans la capitale. Madame Formana, le Congo, clairement. Puisque quand nous pensons même que pour na ko bwa ka foule il faut za la ONG et ma demande ko bwa ka foule na ngata mboka na biso
c'est que nous sommes encore très loin. Il faut que le peuple congolais aille bas. Na melaki mai molangio, il faut avoir na poubelle. Na sala ki soki bilani pondu nangai bilok il faut na tiango et sika songolo. Tant que mentalité na biso ezano na makambo o ezana tina te madame. Quoi que nous ferons, il n'y aura rien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans ce pays quelqu'un qui conscient toujours réclamé pas bon que ça soit balabala bon que c'est balabala. Tant que vous êtes baba bon que c'est balabala, biso te batte bosso ko boaka fou na kaita balabala wana. Donc une chose est au contraire, c'est ça le congolais. De deux, yo moko autorité olingi obongisa mboka na yo. Ba pesi mbongo po sala balabala. Allez pour aujourd'hui kalembelembe. Donc tu vas pleurer. Là on a mis des millions pour que batonga balabala et ça l'était inanété. Balabala est koufi. La route que les blancs nous ont laissé et ça le combien d'années. Donc d'abord première liberté, d'abord première mentalité, la conscience à congolais. Ça c'est très important. Moratoire aux olobawa. Je pense que il faut bazungi sango. Il faut ba donc il faut peine de mort et parce que c'est déjà peine de mort kozonga bongo so qui est commis règlement des comptes et bien il y a des cas mais on va qui même bataille qui va cas spécifique parce que ceux qui ont les lots ba groupe armé zo bon tamanet ba mayebo c'est parce que il y a quelqu'un sait qu'il va aussi faire créer son groupe armé à bomi batou si malango a pécier général le colonel a comme peine mutumune na kati amboka parce que la sanction devient maintenant une sorte de récompense. Au lieu de payer sa moto, sanction à prévu pas joie. Ce qui est beaucoup récompensé. Il y a un petit pas la carte à armée la biso. La carte armée biso coûte à moto. À ça la formation. Mon côté, à ça peut-être mixage, brassage, bloc de dingue baloua kabongo. Ayez vous menez pouf général. Ce que mutu dingue on a beaucoup de la bitumba. Attends armée, attends le comment à standing. Ne tenga au zonga et pas à bisturi. Ne garde pas sur la malade. Non, vous gâtez. Alors. Biloko ba désordre il faut aussi le sango. En dehors ya moratoire il faut pe ba nettoyer armée. Ba complice ba zébélé na kati bomba. Tous ba complice ebélé. Il faut toi ba bitumba oyo. Ba nani ba liaka na kati. Il y a pas ça ba tu vina ba kozé pas na bitumba na. Na zo kanisha pe pe mboso alo ba ka ba collègue ba bi mana ba groupe armée. Mboso na yo ka pe na répondre ka ye depuis quand même ça ka ye que une autorité comme lui ne peut pas se limiter seulement ko ba quitter le groupe armé. Il faut identifier ça la commission et identifier batoua na bakanga bango basamba. Et quand une autorité doit faire un slogan, il se limite à ça. Ça n'a pas de sens, madame. On sait qu'un slogan quitter le groupe armé, te limite à ça. Ça n'a pas de sens. Quand tu y es, moko mboso, dans le bakanga, ta kif nord kiv. Depuis le président de l'Assemblée nationale, na mona ta moko moko tena nord kiv. Parce que moi, ta kif de l'Assemblée nationale, qui attend nord kiv, attend un message, il y a compassion. Il ne l'a jamais fait. Or, c'est lui qui est le président de l'Assemblée nationale, il y a mbok. À tant message à conseil que non, les quand même bosso, à ce qui moi, courage n'a à comme goma, à comme butem, à comme même pas une seule fois. Il y a un peu, dans le bac en gomingi. Il faut un bosso, surtout à ce moment-là, il y a un peu, mais là, quand on a qu'il y a un Congo, ressortir nord qui vous, ton le bac, et là, quand on a qu'il y a depuis à ce moment-là, à perchoir, tout le monde a qu'il y a un côté, à qui t'en a terré, depuis qu'il y a un message, il y a compassion. Il y a une zone qui est sur la poste, alors que Nord Kivu, est-ce qu'il n'y a pas chez Ali? Est-ce qu'on peut voter chef de l'État avec 95%, mais est-ce qu'on peut faire une agilité? Donc, pour dire quoi, par rapport à l'Okwana, je pense que c'est très important et bangissa. Vous savez, décourager voilà. La loi pénale, le code pénal, là, juste pour la dissuasion aussi. C'est aussi pour Moutoua Bang, est-ce que c'est le bon et que ça l'a bien été? C'est que, Nabakunzi. Puisque en armée, il y a un principe qui dit il n'y a jamais de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ceux qui ont salamé à Bisso Moko, Nabatoise, Bakunzi, Bakunzi, Loko, on a toujours peut-être sanctionné Bangote, que ça l'a fait bien. Donc, Nazongeli, dans le but que Yamutua, il faut d'abord prise de conscience à peuple congolais, la mentalité de Bisso. Toza Mosi, Kamama, et ça, le Loko, la Congo, est-ce que ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut vivre au 21e siècle? Donc, on a le droit na devant la bisauté. On a beaucoup la biso, le droit était luxe. Or, on a beaucoup ceux qui droit est un luxe. Il y a pas que battre, ça n'a pas si amené. Le droit n'est pas un luxe, madame. Moi, on a beaucoup. Andeko Nathanael Onokunda sur la Onokumba plutôt sur la question il y a levé un moratoire, il y a peine de mort. Doit-on restaurer la peine de mort en République démocratique du Congo?
na justice na biso eza déjà na problème ndenge tata mukambi ekolo emoka rekonatra ki yango soit eza urgent parce que tozo ko ba ko bunda mais ba za complice ba ngunda ba za kati na biso. Comment est-ce que vous allez analyser ta lecture sur la question Ezalini? Merci beaucoup, Maman Naomi Pila. Ce qu'il faut répondre à la question, et aux gens qui ont été minités. Ce qui va poursuivre la traite, et bien depuis l'année, la traite est en 2023, 2018, il y a 1997, il y a 1995, il y a 2006. Parce que ce qui est plutôt retracé l'histoire, la question, Anna. Bah te bêler bah on va arrêter et là on a une appel ça non nuance à Isaac avant de répondre on décombine ça population ils ont manifesté quelle population la population t'es non quelle population la population quand ils manifestent ils ne cassent pas la population n'est pas la force du progrès dit si les ministres de l'intérieur la population n'est pas la force du progrès la population c'est pour le pouvoir quand l'opposition manifeste l'opposition n'est pas la population. Nous, on a manifesté contre le départ de l'ambassadeur rwandais. Bah, image et les cas, on a arrêté plusieurs personnes. À l'époque, on n'était pas la population. Mais il faut se moquer de qui? La minute, on est tous à bouer. Bon, je ne sais pas si on a expliqué à mon dernier. En réalité, on ne peut pas avoir la compassion d'un dirigeant qui ne fait pas bien son travail. Moi, je ne peux pas avoir la compassion du ministre de la Défense ni du président. Il est payé pour ça. Il marche avec ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il peut assumer les tâches relatives à cette fonction-là du président. Mais quand il y a une guerre, Ezali, mon Zindo Penza, depuis plus d'une vingtaine d'années, mon avocat. On est à 120 millions de Congolais et ce n'est pas l'unique, ce n'est pas seulement les gens qui sont au gouvernement. Il y a un habilitaire aussi sa guerre. Si quelqu'un n'est pas à mesure de le faire, de faire bien son travail, il n'a qu'à démissionner. Les Congolais, on doit être exigeants. Parce que pendant que nous, nos frères sont en train de mourir, nous on soutient le gouvernement. Mais et qu'est-ce qu'ils font? Changer le gouvernement, changer les hommes, changer va trouver la solution. Alors que à l'époque de Joseph Kabila, on a dit la même chose. Les solutions, les hommes a été, c'est la même chose. Maman non, Yebake, Ndegoza Awa. Ceux qui auront ça va résultat au SNIT, Ndeko Christian Bosembe va vous limoger. C'est normal. Il va mettre une autre personne. Pourquoi? Parce que à la procès, il y a un résultat. C'est ça, les Congolais. On doit être comme ça. Au thème, au moins, il y a la volonté. On ne gère pas un pays avec la volonté. Non, non. C'est le résultat. C'est le résultat. Tout ça qui dit on a Bakambu, tu gagnes la coach pour Niazo Betsa Bakambu, non? Mais Bakambu jouait très bien. C'est parce qu'on savait qu'on a habité. On a été exigeant avec Bakambu. Et pourquoi pas avec nos dirigeants? Qui a renoncé à son salaire parce qu'on est agressé? Qui a renoncé à ses avantages parce qu'on est agressé? Personne. Pendant qu'on suivait les matchs contre l'Égypte, les Gomans n'étaient pas attaqués. Les gouvernements ne célébraient pas les buts. Mais quand même, il faut se moquer de quel peuple. Bon, je suis en train de finir. Je vais répondre à Nassouk, après on va répondre à Nina Morato. À l'Obi, au bas, quand la frontière aérienne plutôt, mais terrestre bâtique. Mais quel amalgame? Quel amalgame? Quand on vole les minerais, on vole les minerais par la voie aérienne ou bien par la voie terrestre. Quand on nous attaque, on nous attaque par la voie aérienne ou par la voie terrestre. Quand on parle de frontières aériennes, terrestres. Quand on parle de territoire maritime, maritime, aérienne, sous-sol, nous sommes un territoire. Mais vous ne pouvez pas vouloir le roumoko, oligner le contraire en haut. C'est pour vous démontrer qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et nous, ça me fait très mal parce que mon pays est en train de souffrir par des mini-frétins qui ne peuvent en aucun cas tenir tête devant les Congolais. Deuxièmement, tant Bozo Lobela, moratoire. C'est quoi un moratoire? La question, c'est ça. Parce que tant Bozo, moratoire, les amis. La peine de mort n'a jamais été suspendue dans notre pays. La peine de mort a toujours été prononcée dans notre pays. Mais c'est son exécution qui est suspendue. Pourquoi? Parce que code pénal de l'Abisso est à la contradiction de l'article 16 de la Constitution de l'Abisso. La vie humaine est à la sacrée. Il y a un moment, tant que je proclame la peine de mort, exécution, je vais retirer mon poteau pour mettre un assassin pour qu'on respecte les dispositions constitutionnelles. Je vais suspendre, je vais me mettre à la prison à vie, je vais me mettre à la travaux forcés.
Mais question qu'on mit tout dans l'écho. Est-ce que tu as la justice? Il y a Malonga. Les propositions et outils pas à Nani. C'est ça la question. Le président Félix Tshisekedi, en tout cas, Nalobarango partout na Kinshasa. C'est un bon papa, c'est un bon oncle, c'est un bon grand-père, un bon mari, une bonne personne. Mais ce n'est pas un bon président. Comment ça? Parce que monsieur le président, Aza très sociable. Travailler na bango. Et ce qui fait en sorte que les gens se moquent de ça. Moi, je vous donne un exemple. Les morats, on rend justice au nom de qui? Au nom du président de la République. Qu'on rend justice. Et quand on arrête les moratoires, c'est au nom du président de la République. S'il faut rétablir les moratoires, il y en a combien? Donc, c'est par ordonnance. Donc, aujourd'hui, pendant plus de 20 d'années, Ndeko Jean-Pierre Bembazo, conseiller du président de la République, a été classé parmi les dictateurs, parmi les sanguinaires. Il y a une Tanzanie en beauté. Parce que ça serait le règlement des comptes. La justice n'est pas équitable. La justice n'est pas solide. Dans notre pays. Mais comment faire pour nous aussi celle qui a été la trahison dans la carte? C'est quoi la trahison? La trahison, c'est aussi qu'on détourne $2 millions et éducation à Bana. Trahison, il y a les kiwan. On a vu Willy Bakonga détourner 2 millions. Azoa grâce présidentielle, t'es. Azoa grâce présidentielle. Qui a libéré Eddy Kappen? La mort de Mouzé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous connaissons plus? C'est ça les Congolais encore. Il faut nous réfléchir. Bon, combien est-ce que notre justice au président et Mokoyabi que justice n'a pas été équitable? Albi Bembo les en a justice. Mais vous voulez venir exécuter les gens. N'est-ce pas aux règlements de compte? On va aller où? On veut maintenant instaurer un régime sanguinaire de la terreur. La France, pays où toute justice est équitable, Batia peine de mort. Hein? Batia peine de mort bien que tuer quelqu'un seulement dans la mission où il y a terrorisme. Parce qu'ils ont une justice équitable, au monde terroriste, oui. Mais nous, ce n'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est au-delà de ça. Les gens qui nous dirigent, il faut avoir la volonté. Et puis, il y a mis balé. Il faut bailler Moussala, bailler comme ça. Tant que nous avons un problème, il y a un animateur, il y a une fonction. Nous avons assigné la fonction où ils ont un côté. Nous avons une pêche et élevage. Mais c'est Jean-Pierre Bemba, à la Kateni. 98 contre la République parce que pour naya le bas qui habitait des aboués azo linga libéré pays. Mais c'est aujourd'hui on veut le voir à Tchateni ou en autrefois Tchaké on dit de manière illégale. Aujourd'hui nous voulons qu'il mette ça d'une manière légale. Il a la défense entre lui. Est-ce que c'est le ministre de la défense qui va offrir? Quand je dis à la Ticolata, moni Congo est à Kinshasa. Comment ça part? Mais il est tout le temps parti. Tout le temps parti, ce n'est pas un problème. Azwanda quoi qu'il nous vende à Kuna. C'est fini. Il y a pas de solution. Non, c'est-à-dire qu'il y a des attitudes. Au moins, il y a Traoré na veste. Ah là, ta veste, hein? Au moins, il y a Zelensky na veste. Depuis le hasard agressé. Est-ce qu'il y a des papa na bina zobé? Pourquoi? Parce que ce sont des attitudes. Au baba na bazar na posa na ngo. Moi, je ne viens pas ici parler de piste, parler de l'opposition. Ici, je réfléchis comme un Congolais et je dois être objectif. Merci beaucoup. Les Sahara, on a dit que chuté, non, comme un ami le disait avant, Bander Lobabi, Bemba Moko a travaillé bien la défense. Ils ont chancé. Mon Mboka, Joseph Mbinza, la question sur lever un moratoire, est-ce que et cause la madame Mbinga pour nous socola bongo armé na biso et zaina likambeta li trahison pe bongo na bongo topé ko comme règlement des comptes. Comment est-ce que vous réfléchissez, est-ce qu'il faut le faire avec raison ou avec émotion puisqu'il y a un problème au Isali na Mboka na biso? Madame, merci beaucoup. Toujours un regret de mon frère de l'opposition qui traite des problèmes existentiels avec autant de facilité et légèreté. Félix, je me souviens du propos de M. Ajé Gegop, paix à son âme, le président namibien, qui a dit « Maintenant, le Congo a un président à la taille de ce pays. » Si les gens de l'extérieur voient ce qui se passe dans ces pays, les avancées significatives, voilà des Congolais de l'opposition. Et il ne voit que du noir parce qu'il appartient à piste. Pourquoi? Je ne sais pas. De Seth Kikuni, collaborateur de Moïse Katumbi qui a pris son petit vin là, dans le jet privé. Voilà la qualité. Nous parlons de questions existentielles. Bon, prenez. Monsieur de l'opposition, écoutez bien ce que je vais dire. Peut-être ça va t'aider. Hein? Peut-être aux yeux avec légèreté.
Je vais y revenir. Madame, il y a un rapport au sein de l'armée. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de traiter, de citer le nom de ces hauts gradés de l'armée. Mm-hmm. Selon ce rapport, il y a 25 982 soldats rwandais. Au sein de l'armée congolaise. Nazoya. 354 officiers rwandais, officiers rwandais. Nabina, ce qu'on a rabat officier. 32 généraux, 140 colonels et 70 majors. Tenez. Monsieur Joseph Kabila avait signé 3 ordonnances. Peut-être à Yébité. Le 7 juillet 2013. Une série de 3 ordonnances. Ordonnance 13-082. Ordonnance Bateau Bazotal à vérifier. Uh-huh. Ordonnance 13-086. Ordonnance 13-087. Il a mis à la retraite des officiers généraux de notre armée. Tinda Bon, on a retraite. S'il vous plaît. Quand on parle de la trahison, c'est une question existentielle. Yusro Mutapis. Oui, non, kaka, ça va, j'ai pour la Makamko 12 millions de personnes Bakoufi. Il y a le papa Zamouta Estaye Biba, conséquence à trahison. Yusro la qui tient ça. Pour la yé, il y a un ande ou type à Bemba, parce que ça Bemba. Atabino Moko. Hermobo, tous à la rappeler sérieux. Madame, est-ce que vous savez que même Laurent Désiré Kabila. Il faut quand même, moi, jugement, moi, ça, la même Takoufi, comment il a nommé James Kabarebe comme chef d'état-major général au sein de notre armée. C'est ça le problème, Tokuta Nangon Mboka Oyo. Il ne faut pas. Monsieur comme Roubaix, roi vice-président de la République, défense et sécurité. Mais ce sont des Rwandais. Que voulez-vous que l'armée Ndengwana, Oyo Batu, Oyo Bazala, qui à la base n'a Fdel. Madame. Félix a un bon président qui maîtrise la situation, plus que n'importe qui. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Madame, il y a des résultats probants. Peut-être aller à l'Est, madame. Allez, madame, il n'y a pas longtemps, M. Sultan Makenga, Moutebous et les autres ont pris Goma en attaquant Bounagana, en attaquant par Bounagana pendant 5 jours. S'il vous plaît. Je dis 5 jours. Mais la première attaque, c'est depuis mai 2022. C'est pour dire que l'armée combat. Et si cette armée combat, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement derrière qui donne des rations, qui donne le moyen matériel, en l'occurrence un commandant suprême des armées qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas un individu, une personne, mais une institution. S'il vous plaît. La justice. Mukonzamboka reconnaîtra qu'il y a la justice posait problème. Mais la dernière communication, Mukonzamboka a dit, avec des nouvelles mises en place que je viens d'effectuer, les choses commencent à changer. Ozaïkuapi. Tu n'as pas bien entendu, monsieur. Heureusement que je suis là. Mais bon, déjà au niveau de la justice. Madame, aujourd'hui, au niveau de la justice, il y a quand même une célérité, les choses commencent à changer avec M. Vendée et M. Kalumeta. Tokéi, d'où est venue l'idée du moratoire? Parce que je vous ai peint la situation de l'armée. Et puis papa Yebi, tous ces militaires étaient casés à l'Est. Ils ont refusé de venir vers l'Ouest. À cause des accords du 23 mars 2009. Et puis les accords qui ont commencé le 12 novembre 2012, tina 2013. Est-ce que notre opposition est libre d'accord en haut? Quand on parle de la trahison de l'armée, madame, c'est une question essentielle. Conseil supérieur et la défense. Ce sont des militaires qui sont là, qui ont dit au président, voilà ce qui se passe. Pas plus tard que mon VPM Aoutu Kenagoma, il est allé voir parce que les rations sont détournées, l'armement détourné, les primes détournées. Détournées par qui? Je vais citer un autre, bon, je ne peux pas citer un officier ici. Mmh. On vient de remplacer le nouveau commandant de la 32e région militaire actuelle, mais celui qui est venu avant lui, il a été arrêté pour cette histoire. Est-ce que vous évitez que Routchourou, Massissi, Niragongo sont tombés sans affrontement? Qui ont été à la base? L'armée a levé les pieds. Qui a donné l'ordre qu'on lève le pied pour que l'M23 entre? C'est pour la première fois. Kagame, Basodane, Baso Koufa. Actuellement, c'est pour la première fois. Est-ce que vous le savez? Depuis 1994, depuis 1997, c'est à peine que l'armée rwandaise commence à subir des pertes. Bakomoso Basodatine à Mozambique, recrutant même des mercenaires américains. C'est pour la première fois. Et puis, on s'en va Félix, à ce salé le roté. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à l'Est?
Chutez-moi là. Madame, Conseil supérieur à défense, Balobeli, il y a un conseil de ministre. Et puis, madame la ministre, Mineta a passé à Vinay. Cour constitutionnelle, papé, ça, Kutus, et puis, président signé ordonnance. Cette loi, elle est importante. Et puis, je suis étonné, une organisation, je ne sais pas, cette française, à Kata Lobinini, au nom de Congo, il faut pas le voir. Est-ce que ce sont des Français qui meurent ici? Mais quand il y a la justice, il n'y a pas de problème. Maman, il faut confiance à notre justice. Maman, les trahisons dans l'armée sont comme ça, sont avérées. Il y a des signes comme ça. C'est lui qui a trahi. Maman, on dit combien de nos militaires, de nos jeunes militaires, nos jeunes frères, parce qu'il y a en France, un colonel comme ça, en connivence avec l'ennemi, a même dans mon kuna, dans quelle poudrière, dans quelle koufa. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Messieurs, est-ce que tu es au courant de ça? Madame, Naïb Tchoub, c'est une information officielle. Numéro 1 à Anner, dans la ville, dans le nord, qui vous bacanille, en connivence avec l'ennemi. Numéro, non, bien, ni madame. Est-ce que tous sont matambongo sérieux ou bien tous allient au terre? Numéro 1 à Anner, dans la bande de l'Indeco, il y a opposition. Numéro 1 à Anner. Donc, c'est celui qui tient les renseignements du nord, qui vous. Qui travaille avec. Mais c'est un Congolais, bizarrement. Le porte-parole civil, il y a chéri Mouami. Un Congolais, mais travaille en connivence avec l'ennemi. Ce sont des gens qu'il faut abattre. Exécution, ça va dissuader les autres. Et puis, nous avons un qui t'attire dans la civile. Parce qu'il y a des civils aussi qui sont complices dans cette histoire. Madame, ce qui t'ont dit pour la babitoumbe, belé, pour là, c'est à cause, il y a trahison. Très bien. Rwanda, avec son armée, je vais donner une information, peut-être lui ne sait pas. On te nomme commandant région militaire, papa Zamtakivu. Toutes les ONG, on travaillera pour la anglo-saxon, on va approcher. Mon Wangoyo, ça l'a complaisant. Mais maman, bravo à la DEMIAP qui ont détecté des appels. Je ne vais pas citer de nom ici à cause, parce qu'à cause de ça, pour comprendre que non, il n'a pas la maîtrise de la situation de l'Est. Donc c'est pour dire, c'est maman, mesure Oyo, hein? Il faut vraiment, au niveau de l'armée et de la police. Discipline et cocotte. Très bien. Merci beaucoup. Aux Mandouk Yabasoda, au Tekiango. Aux yeux Rassio Basoda, au Tekiango. Aux yeux Prime Basoda, au Liango. Maman, ce qu'on va s'en va tu en prison. Que dire, Naba politicien, ou peut baso vivre ainsi, maman, bon goan. Équitati, Nabiso, ma politicien, Naba civil, ma Kangu en connivence, madame, on te fizi. Le temps, nous sommes dans un état. C'est-à-dire, situation est particulière. Il ne faut pas complaisance. Basu, ma Bachioana, que non. Papa, tout si là, yo. Prison peut tout laisser à yon lissous. Quand yon va laisser à yon lissous. Oui, il y a un bon soldat. Va laisser à yon. Merci beaucoup Ndeko Joseph Mbenza toujours qui na souka émission na biso na même ordre d'idée toujours assidé à souka pe dernier prise de parole sur la question de réduction des trains de vie des institutions et l'Obama qui na ezo l'Obama ezo ko ba ko l'Obama pourquoi ça ne change pas quid sur responsabilité ya autorité budgétaire puisque batinyo so bazota la tata mokambi ekolo pona ko kitisa likambo wana mais responsabilité ya bayo bazana parlement ezali nini na o etali bongo ko kitisa train de vie des institutions alors que nous sommes agressés, alors que notre pays a un problème de corruption au Tikolobango et na Kinshasa, ils ont monté en déti et l'autre ils attendent maintenant montazo voler la lobby moléki, comme ils courent la bombe à poste, maintenant montazo voler la position manaye, mais quid sur réduction en train de vue des institutions, quid sur le peuple là-bas, quid sur la situation de l'est de notre pays déco. Madame Bokashid Kapanga, ils ont appelé votre mot de la fin. Qu'est-ce qui fait que jusqu'en ces jours, malgré ma proposition, ENA, il y a un peu de train de vie des institutions, le lot de Romiko Yoka. Ils ont vrai été parce qu'on a confirmé en côté que bon, ils ont mal d'aller sous pour la institution. Est-ce que tu es conscient que notre pays est en guerre? Est-ce que tu es conscient de la définition sur tout ça? Pourquoi la situation a changé? Est-ce que dans le Parlement de Baza, responsable de la situation de l'État, de la situation de l'État, train de vie des institutions? Et puis votre mot de la fin aussi. Gana kolo baboy. Donc, ce qui moutou a zoé ba droit na ba devoir na yete, c'est qu'à sa citoyenneté. Citoyens a moutou a zoé ba droit na devoir na yete. Peuple congolais, ils en ont ignoré sa biloukouane. Na mon atama kolo mon côté, peuple qui a manifesté na assemblée nationale, qui est au 5e en balotant pour ça la budget, pour ça la boy. Et ça m'a tama kolo mon côté. Parce que le peuple est droit dans le côté. Or, ce qui peuple qui est bandit, qui manifeste pour la situation,
tokei na parlement tolingi désormais makambo ezala boye 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 biro ko changer ça ça c'est d'abord de un de deux to prendre conscience maman kutu na zo senga la chef de l'état soki ko ekoi ko salema tant ko sala gouvernement celui qui était élu député à travers le parlement. Okay. C'est parmi les dangers que nous avons dans ce pays. Moutouazoua, quand le premier suppléant est Moutoumou Koboui, il est à l'équipe député. Si Manango Alingi Azala ministre, au coup dans le parlement, Moutouazoua n'a pas quitté dans le parlement. Or, le parlement est ici, il y a des gens qui ont contrôlé, qui ont représenté le peuple, qui ont dit, il y a des gens qui ont dit. Mais comme le parlement, la faiblesse est belle. Il y a un autre chef de l'État, ceux qui m'ont tapé, qui sont député. En tant que bon, oui, je pourrais renoncer. Non. Qui a été élu député pour servir le peuple au Parlement, pas au gouvernement. Il y a des technocrates, il y a des gens qui sont au gouvernement. Comme ça, quand toi tu es député, aux en matière, on va contrôler Bango, pour qu'on passe à l'orientation. Parce que ce n'est pas être à la fois, peut-être jugé parti, c'est compliqué. Bon, Moutotika qui est au Parlement, premier suppléant, il y a un moko. Donc, moyen qui a pression, il y a un. On a aussi un chef de l'État, ce qui est au Salema, en tout cas au moins, ce qui représente à moi 5% là-bas, député de base de la gouvernement ne fisque, mais au moins majorité à la technocrate. Qui fait quoi, quand et comment? Lui aussi, ministre, vraiment, c'est lui-ci. Oebi, domaine, naé, oya, tanga, kata, loke, zaba, zaba, poste politique. Mais pour dire, il faut quand même, moi, basé, zala, maman. Donc, ozo, m'gai, médecin, d'accord, qu'on zala, ministre à justice, par exemple. N'a pas de madame. Donc, pour dire quoi, l'être au Tikoloba, n'a cinq peuples, et y'a, bah, droit, n'a de voir, n'a y'a, n'a pas qu'on peut prendre conscience. Yo, oza, qu'on voulait être ngaï. Olingi, oli, à 30 000 dollars, yo, moko, ou bien 20 000 dollars, yo, moko. Un Congolais comme toi. N'a même pas 50 dollars par mois. Il y a un monde qui m'a calculé, moi, quand il y a des réseaux sociaux, bâti, soit qui, salaire à un mois, il y a député, ça vaut, je ne sais pas. 19 ans. 19 ans, il y a un enseignant. Et je suis debout, je commence à parler à la télévision, je suis député, j'aime ce pays. Non, maman, aimer ce pays, c'est d'abord l'attitude. Est-ce que j'ai vraiment l'attitude de quelqu'un qui aime le pays? Comme je peux dire, tu es ma femme. Je t'aime, je dois me montrer une attitude qui prouve que j'ai l'affection vers toi. Amour est à mon côté, il faut que je sois là. Si tu es là, tu es là. Député, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Député es là. Tu es là. Moi, je pense que nous devons éviter de mettre le pays. Mboke Kambamaka, de la Mibeko. N'a pas senti pas tout. Mboke Zan Mibeko. J'apprécie ce qu'elle a dit. On ne refuse pas. Le chef de l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts. Ok. Toboïté. Mais il faut que je sois accompagné dans Nini. Père Nani. Ok. C'est ça la grande question qu'on pourrait se poser. Alors, fournir ben fort, ok, tout le monde, qui accompagne ça? Est-ce que Bazo n'est pas accompagné? Comment Bazo tout fait en pété? Tout le monde est en théâtre, entre IGF, le ministère de l'éducation, par exemple. Tout ce théâtre-là, quand vous voyez ça, les enfants de la maison commencent à faire ça. Ce qu'on dit, vous en donnez. Très bien. Donc, bref, je pense que ce qui est important, la zone est ma casse. Peuple congolais, il a droit de voir la bino, ça c'est un. De deux, il faut prendre conscience. Il faut que les gens soient chef de l'État, tant que le gouvernement est Atala, celui qui a été élu député, Atala renonce qui coule dans le mandat. Il n'y a pas renoncé, il n'y a pas renoncé, il n'y a ministre. Atala, la situation est bien. Le Parlement doit aider le chef de l'État. Le chef de l'État a déjà mis le Parlement dans sa poche. Non, non, le peuple observe tout ça. Tu peux penser que tu aimes le Parlement dans ta poche, mais aux autres, c'est ça. Il faut le Parlement, ils ont la Kisayo, ma Kamolo, ma Ah, dans mon monde, tu viens dans le Parlement, pour ça, l'Isayo, aux Zoua, Ndingis, aux Zoua, ma décision à Kitoko. Donc, pour terminer, notre. Le message que vous lancez à la population de l'Est. Peuple Est, Naebi, que vous souffrez ma casse. Le lobe. Mais là, on a Goma, moi, je vais être très très compliqué. Très mais tout perdre espoir. On n'a pas des armées. La seule armée que nous avons, ce sont les FARDC. Net pas du peuple, on a dit que nous allons nous mettre à Bango pour nous faire ça. Bango, tout sous Bango. Tout Zambisi. Balingiba, quand tu as mis son dobo, on a quitté Monoko. Ton Dima, dobo, on a été. Pour ça, quand tu as mis son quitté Monoko, on a quitté Mai, tu as perdu le Congo Nabiso. Donc, tout le monde, que tout le monde comprenne que. Le Congo, c'est un poinçon qui est avié et que tout le monde veut tirer du fleuve ou bien du lac. On nous a déjà mis un hameçon dans les nageoires, après Bounagana et
Bounagana Routour, disons, Kiwanja et consort, tondi maté à Monsieur Kotabiso. Sinon, Kotabiso passe. J'encourage la dénonciation de tous les traîtres. Même Bassoré, Bazo, Bazana, Frost, ou Mouré Loko Mabe, Boganga, Tozana Bitumba, Kolbate, que non, sur la Louba Kobomanga, on ne va pas pour moi, vérité. Tant que Bozo Koufakuna, Tozo perdre bien, alors que ça comme ça va conduire, Bozo dénoncer Angoza Pébienté, ceux qui ont milité au Mouré Loko Mabe, dénoncer Ango, c'est très important. Merci beaucoup, Mingi Matondo, pour la Likanisina, au Mourambo Kandekwachul, et à Koukam, Ezaki, Okuta, famille, Moko, Bazana, 8 postes, Oazana, l'Assemblée provinciale, Moussou, l'Assemblée nationale, Moussou, na à comme ministre, je suis dans l'entreprise, finalement, qu'est-ce qui se passe? Réduction des droits de vie des institutions. Le Congo nous appartient tous. Congo est à Bandeko. Et Bissonionso, Congo est à famille Mouroboete. C'est pas possible. Ndeko, Nathanaël, qu'est-ce qui se passe? Malgré la dénonciation, on a qui, image Mokokoutou récemment, Ndeko, Kabunda, dénoncé, il y a train de vie des institutions. Ndeko, il s'appelle comment? L'honorable Delice Sanga. De nos sangs balébélé, mais pourquoi cette situation ne change pas? Et awam dungu te salaire banane et bandit komata, eh boy, alors que nous sommes en guerre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne change pas? Qui est responsable? Est-ce le Parlement? Le responsable, c'est le président. Comment ça? Je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche. Président des autorités budgétaires? Le président, c'est lui le responsable, parce qu'aujourd'hui, nous avons, d'une manière sociologique, un parti État. Le pays est géré par un camp politique, et c'est l'Union sacrée. Il ne faut pas se voiler la face. Bazara na réunion congrès, bavandi président, président ou tala la lobby boy. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les sénats, les gouvernements, les institutions publiques, dis-moi quelle est la fonction qui est occupée par un membre non de l'Union sacrée. Il n'y en a pas. Et deuxièmement, ils n'aiment pas ce pays. Qui? Les dirigeants de ce pays, ils n'aiment pas. Dans ces régimes, ils n'aiment pas ce pays. Non, on peut faire un exemple simple. Ndeko Kaboun, Ndeko Kabouya. Ndeko Kabouya. Informateur Ndeko Kabouya. Ponarara, Mbongo a l'été Bima, a organisé conférence de presse à 10 minutes sur Hilton, Paul Barra a mission dans le calendrier, il y a un formateur. Est-ce qu'il avait besoin d'une conférence pour parler de ça? Pour quelqu'un qui aime le pays n'a pas d'argent. Le pays n'a pas d'argent. Pour Asalaki, Abenga qui vient de journaliste, c'est par un communiqué, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il manquait pour un Robert pendant 10 minutes, as-tu encore la communiqué? Point de presse dans Hilton Hotel. Vous savez, Hilton Hotel réservé, point de presse, c'est combien? Dans mon acquis, vous dénoncez la communauté internationale, mais place où dans mon RFI, dans mon France 24, dans mon acquis, Jeune Afrique. Mais il se moque de qui? Nous, on ne va pas se voiler la face. Un bon dirigeant, un bon leader, c'est celui qui renonce à sa propre vie. Tu renonces à ta propre vie pour la vie de la communauté. C'est-à-dire, bah, besoin d'aller les souhaiter. Donc, là, il y a des informateurs à l'émission de la lobby, il a invité, il y a plus de 20 000 balles. Kapambaboué, conférence à 10 minutes, c'est le trésor public. Ndeko Kabouya. La première des choses. La deuxième des choses, le député va toucher 21 000 dollars. Selon moi, il aura 10 000 dollars. On a 500 bazar, on a 5 millions. Vous voyez qu'il y a une mauvaise foi. Mais nous, on va venir ici, on va comment? Nous sommes dans un pays où nous avons choisi d'étudier. Baobaboué, il y a un quartier, il y a un quartier, il y a un quartier. Il y a un quartier, toi aussi, si classe, toi aussi, comme ça, il y a un quartier, il y a un quartier, il y a un quartier. Il se moque de nous. Donc ici, le problème, c'est qu'on doit être exigeant. Si vous allez nous traiter de tout mot, je l'ai dit, il faut nous traiter. Si vous allez nous traiter d'aigris, il faut nous traiter. Nous serons très durs avec nos dirigeants. Parce que jusque-là, maman Naomi n'a dit, non, on a la ta Rolex à 20 000 dollars. Oh, il pense à la zone. C'est là. Non, on a la ta ngote. Nous avons dit, non, on a la ta ngote. Moi, on a la moukie, qui est dans la gyrofarte. C'est parce qu'ils reçoivent les honneurs de ces fonctions-là. Il faut que ça soit là pour bénéficier de la vie. Il bénéficier de la vie. Ce n'est pas l'héritage familial. Non, on doit être exigeant. Être congolais, ils ont été en opposition, ils ont la majorité. Nous tous, nous vivons. Nous avons des combats dans le plateau. 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 Et quand on n'est pas dans la donc, tant qu'on est quand on a la opposition, quand on a la majorité. Ce que j'aimerais dire ici, un pays où les dirigeants sont, ont la volonté, on devait voir cet impact-là. Moutou, l'okola, militaire, enseignant, basa batou, oh, y a les bosso, il faut nini, faut qu'on entretenir bango. Nasili, c'est maman, on m'y pône en azouata, na ote. Vous savez que, mythe, ils appellent l'okola, c'est leur adversaire.
Bah, on nous a vendu ici dans la tête que les Rwandais ont des belles femmes. Ici dans la tête. On nous a vendu que les Rwandais ont des belles femmes. Et c'est resté comme ça. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que désormais, Moutounian, son idée n'est pas Congo. Bah, Rwandais, Bazaranaba, c'est Kitoko. Et c'est Kalibongo. Mais qu'est-ce que nous nous vendons? Qu'est-ce que nos enfants ont? Toi, soit dans la thèse historique, t'es. Aujourd'hui, quand je vous parle ici, au Rwanda, on enseigne les enfants rwandais que Kivu et Zalaka Yabango. Dans l'histoire, bon, tant que c'est bon que Kivu et Zalaka Yabango. Donc, ils sont en train de préparer les enfants qui feront à nos enfants la guerre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans des débats. PCR et Bibi Boué, on débat. Et un formateur à Sali, conférence, on débat. Et un président aux la majorité, on débat. Les pays nous appartiennent, nous tous. Et moi, je serai très dur. Très, et j'ai dit très dur envers le président de la République, bah, parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Très bien, merci beaucoup, Ndeko Joseph, vous êtes aussi ici, les combattants de vie des institutions. Vous voulez pas qu'il le peuple d'abord, mais déjà, mon dieu, le peuple d'abord, et ce monde a été, continuez, on a sens, on a des autour, on a des termes, mais c'est servir, la place va servir au peuple. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour le dernier temps et la parole. Normalement, on a pratique, nous informateur avant Banda Moussa la salle à point de presse pour appeler ça ce qui sera l'objet de son travail pendant un mois parce que l'information on a dans l'ango l'informateur ne fera qu'un mois à moins qu'il y ait de quoi mais souci n'est et ça un mois à deuxième mois pour éviter ma dépense. Là, je salue l'équipe qui a travaillé dans la communication, M. Hervé Moulumba, je te salue. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tu es Nazala Kiwala. J'étais à Hilton. Allo, Kaposte. Madame, j'étais à Hilton. J'ai vu ce qui s'est passé. J'étais là. Vous aussi, vous étiez là, je crois. Parce que dans mon ébat. Donc, j'étais à Hilton. Tout ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Ma dépense inutile. Le CG n'est pas dans ce genre de dépenses. Donc voilà. Pour la train de vie des institutions, là, nous avons la couleur politique. Parce que nous avons tous la quatrième société. Tout le monde a Makambo, tout le monde a. Ton ministère, il y a santé, il y a bingingai. Les cas de télévision, l'obé, les abissons. Ça va toujours dans le cadre, il y a vie associée. Vous voyez que Tissiko, il y a un ministère de la santé. Nous sommes le 16. Une petite catégorie, il y a tout le monde. Une grande partie administratif ba futi ba ngote ba obina tuna ministre ya santé na tuna monsieur ya UGF Alingeti parce que Alingeti yende mtazo contrôler paye avec les gars ba ko futa ba loyer na mbongo nini oyo na batuna yo bozo contrôler selon ba information na bango ba ke na ba equity place ba futa ba on babi bango centrale na tindi mbongo te là c'est un problème. Vous n'aidez pas le chef parce que ce sont des populations qui ont voté le président de la République. Comment un parent peut expliquer à son fils que je n'ai pas été payé, moins tôt les athées. Et puis, les athées, le ministère de la Santé, les athées, la plupart des fonctionnaires de l'État. C'est ce que nous déplorons. Mais il y a une catégorie de nantis dans ces pays qui ont été déjà payés avant le 5. Ce que M. Gilles Lalingueti, ce qu'on a eu message, pour libérer, il faut foutre à fonctionnaire. Pour la traite de vie des institutions, j'ai vu le président de la République réduire son cabinet. Je pose la question, pourquoi le président ne fera-t-il pas pour le gouvernement? Parce que 56 ministres à 60, c'est trop. Vraiment. Monsieur le président, dans le deuxième mandat, ne contentez pas des partenaires. Il faut contenter la population. Mais vous n'êtes pas venu forcément pour être président. Combien de bouches à nourrir? C'est là, non. Madame, je me pose la question, qui vous dit qu'il y a certains non-lafobazons à Kanaba gouvernement? Donc, dans le parti politique, nous avons besoin de la Ligue des Jeunes T. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est sa soeur. Si ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. Mais finalement, chef Poutine. Donc, c'est-à-dire, j'ai compris que ma partie politique, elle a payé une forme d'esclavage. Bozubiso, Tomatisibino, et comme il est à pouvoir, Kakabino na famille, ce n'est pas normal. Donc. Il y a un aïe de pêche, il y a des affaires à récompenser. Il y a des affaires à DG. Il y a des DG, il faut qu'on boit un mot, il faut dénoncer aussi l'aïe de pêche. Toi, tu es un DG. Je suis de l'opposition, mais je reconnais ça. Toi, tu dois être un DG. Bah, Florie, bah, comment on va DG, mais yo. Tu es Madame, DG. Est-ce qu'on peut protéger là? Non, c'est pour autant bien, mon cher. Madame, on va protéger là. Donc, moi, je m'insurge. Ça, c'est moi. Bambou, on a besoin de ça, on te pardonne. N'est-ce pas tué le Mboka? Concrètement, bah, ça la mine. Non, c'est-à-dire, on a des gens qui aiment ce pays, qui aiment le peuple. Bah, quand on dit, m'a 21 000 dollars, surtout 31 ans, bien que la loi des finances n'a pas encore été signée,
En tout cas, il y a un peu de salami, en tout cas, ça a passé. 21 000 déjà, quand ça sonne, chose dans la population, ceux qui gardent 21 000. 21 000. Maman, c'est combien d'enfants congolais? Les DG, 25 000. Hein? Un directeur général d'une entreprise a plus de 25 000 dollars. Mais un fonctionnaire de l'État, 500 000 francs congolais. Mawa. Donc, monsieur le président de la République, il n'a dit qu'il n'y a pas de majorité. Mais, vaut mieux groupe à Batouba, il n'y a que 60 millions, 100 millions de Congolais, Babo et Abisson en 2028. Donc, c'est le moment de poser des jalons d'un deuxième mandat qui est vraiment centré sur l'intérêt du peuple. Très bien. Voilà. Surtout que l'avenir de l'UDPS est aussi négocié pendant ces deuxièmes mandats. Soyez vous salue, Bajé, Bobimina Histoire. Émission est ici, Ndeko Rachid, Maton Domingue, Ndeko Nathanaël, Maton Domingue, Ndeko Joseph, Maton Domingue. Tout le monde prochainement, Tolinga Congo, Totonga Congo et Tobat et l'intégrité territoriale en Boca Labisso. Bon début de week-end. Allez, au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de Kombongo, au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit 10 dollars, le quoi la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam, bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.